petit robot, comme demandé. Excellent. Comment ça? Oh. Rien du tout. Merci, bye bye. Tu as bien tout apporté? Eh ouais. Et voilà. Oh, regarde, ce sont les bandits. Regarde, ce sont les bandits. Oh. Psst. Morphle. Mila? Où est la balle? Oublie le ballon. On y va. Maintenant, viens avec moi. D'accord. Morphle, tu veux jouer à un autre jeu? Non. Ok. Tu veux rentrer à la maison? Non. Tu as une autre idée? Non. Morphle, va chercher ses glaces. Mila n'a pas payé. Mila? Tu agis vraiment très bizarrement, Morphle. Tu ne veux même pas te transformer. Non. Tout ce que tu dis, c'est non, non, non. Papa, Morphle est vraiment bizarre. Enfin, Mila, ce n'est pas gentil de dire ça. Hé, Morphle, est-ce que tu veux de la glace? Non. Pas de glace? Ce n'est pas possible. Quoi? Hein? Tu vois, ce Morphle n'est pas réel. Ah, les bandits! Morphle, prends la balle maintenant. Ouais. Hey. Papa, là-bas. Oh non, c'est le papa de Mila. Hey, Mila, qu'est-ce que tu fais? Morphle, par ici. Ah, d'accord. Continue alors. Bye bye, Mila. Au revoir, papa. Et c'est parti pour plus de bêtises. Morphle? Par le mur. Non. Transforme-toi en... Une voiture de police. Non. Un camion de pompiers. Non. Un éléphant alors. Non. Nous avons appris la sécurité incendie à l'école aujourd'hui, Morphle. Oh, cool. Bien vu, Morphle. Maintenant, nous sommes prêts si jamais il y a un incendie. Mimi. Morphle, je sais comment on peut éteindre le feu. Monsieur Vanderpuss, vous allez bien? Morphle et moi avons vu de la fumée. J'étais en train d'allumer mon barbecue. Oh, nous sommes désolés, Monsieur Vanderpuss. Vous savez ce qu'on dit, la sécurité d'abord. Oui, et l'appétit en second. Sois attentif au cas où quelqu'un d'autre aurait besoin de notre aide, Morphle. D'accord. Hein? Morphle, je sens de la fumée. Là. Morphle, on va avoir besoin d'un gros camion de pompiers pour combattre cet incendie. D'accord, Mila. Par ici, Morphle. Utilisons ta lance à incendie et éteignons le feu. Oh, Monsieur Vanderpuss, mais que faites-vous ici? On ne peut pas faire un barbecue n'importe où en paix. Oh non. Oups. Mais il vaut mieux prévenir que guérir. Je suis en sécurité. Enfin, tranquille, hein. Personne ne va nous déranger ici. Que le barbecue commence. Un vrai feu cette fois-ci. Oh,
Mila, Morphle, je suis vraiment contente de vous voir. Barky, que quelqu'un sauve Barky! Morphle, transforme-toi en camion Ben. C'est comme ça qu'on éteindra le feu. Vite, ramasse beaucoup de sable. Ah, excellente idée, Mila. Maintenant, jette-le sur le feu. Oh, beau travail, Mila et Morphle. Merci beaucoup, pompier Stacy. Chaque jour est un jour magique avec un animal magique. Mila, Morphle, le gardien du zoo a appelé. Il a dit qu'il aurait bien besoin de votre aide au zoo. D'accord, papa. Morphle, transforme-toi en maison volante. Ah, Mila, Morphle, super, j'ai besoin de votre aide. Est-ce que toi et Morphle pouvez aider à amener ce pingouin, ce chameau et ce singe dans leur nouvelle maison de la nature? Bien sûr. Super. On pourra tous voler dans la maison volante de Morphle. Le désert est chaud et sec. C'est la maison parfaite pour un chameau. Morphle, regarde, c'est un dragon. Je crois qu'il veut venir avec nous. Je pense qu'on peut lui trouver une nouvelle maison. Pas vrai, Morphle? Oui. Oh-oh. Le pôle sud est la maison parfaite pour un pingouin. Mais c'est bien trop froid pour un dragon. Ok, allons dans un autre endroit. La forêt tropicale est la maison parfaite pour un singe. Oh oh, mais je pense que la forêt tropicale est trop humide pour les dragons. Ce n'est pas facile de trouver l'endroit parfait pour un dragon, mais nous n'abandonnerons pas. Regarde, Morphle, c'est un volcan. C'est vraiment l'endroit parfait pour un dragon. Ok, dragon, tu sembles très heureux dans ta nouvelle maison. Maintenant, il est temps pour Morphle et moi de rentrer à la maison. Jamais chez eux sans leur compagnon humain. Mais j'ai déjà un animal magique, Morphle. Mais je sais où on peut te trouver un super compagnon humain. Au centre des animaux magiques, nous vous trouvons un compagnon magique en un rien de temps. Qu'est-ce que c'est? Hein? Oh oh! Morphle mort! Ballon! Morphle! Oh, mais où a-t-il bien pu aller? Ne t'inquiète pas, Mila! Nous allons le chercher ensemble! Merci, April! Par où commencer?
allons voir tous les endroits qu'il aime. Commençons par le camion de glace. Les badges de glace. Oh, un badge de meilleur ami pour moi. Badge de Morphel pour Mila. Tu n'auras pas mon badge. Il ne nous trouvera pas. Géraldo, as-tu vu Morphel? Oh. Oh non! Morphel a des ennuis. Je dois l'aider. Mais comment aller là-haut? Ah. Morphel, transforme-toi en costume de super-héros pour qu'on puisse les arrêter ensemble. Morphel, Morphar! Il faut qu'on aille plus vite! Vous ne passerez pas, bandit! D'accord. Voici ton badge. Attends, tu ne l'avais pas fait pour moi. Morphel, as-tu fait ce badge pour moi? Je l'adore. Es-tu triste parce que tu n'as pas eu de badge? Hein? Mila, fais badge pour Morphel. Bien sûr. Tu es non seulement mon meilleur ami, mais tu fais aussi de chaque jour un jour magique. Mila, Morphel, Géraldo est au téléphone pour vous. Merci, papa. Salut, Géraldo. Bonjour. Pour vous remercier de toute votre aide, j'ai créé un nouveau parfum de glace. Le mix Mila et Morphel. Oh, elle est tellement bonne que je ne peux pas m'arrêter d'en manger. Et maintenant, il n'en reste presque plus. De la glace. Il faut que vous veniez vite. Avant que je ne finisse tout, je suis sur l'île de la jungle. Morphel, viens aussi. Oh non, c'est Morphel. S'il arrive le premier, il va manger toute la glace spéciale. Transforme-toi en voiture de course super rapide pour rattraper Morphel. Morphel, mort. Allez, Morphel, rendons ce jour magique. Youhou. Je viens d'en refaire. Maintenant, il y en a assez pour tout le monde. Encore.
Chaque jour est un jour magique avec un animal magique. Morphle, manque, mort. On va te dégommer. Oh non, ce sont les bandits. Ouais, et on va répandre cette gelée gluante partout en ville. Non, ne leur dis pas le plan, imbécile. On doit les arrêter. Morphle, transforme-toi. Pas dans ma ville, Mila et Morphle. Qu'est-ce que tu penses faire? On doit attraper les bandits. Vous devez surtout nettoyer tout ce gluant désordre que vous avez mis. Mais nous... Maintenant. Allez, nettoyons ça vite. Oui. Maintenant, empêchons ces bandits de rendre la ville gluante. Vous continuez de rendre la ville gluante? Nettoyez tout ça! Mais nous... Maintenant! Ok, officier Freeze. Oui! Encore nettoyé! Besoin de quelque chose qui peut atteindre la bave en hauteur. Morphle, transforme-toi en camion de pompiers. Morphle, mort. Oui, on l'a fait, Morphle. Mais maintenant, on doit attraper ces bandits. Allons-y. Ils sont là. Vite, Morphle, asperge-les avec de l'eau. Tu peux le faire, Morphle. Non. Donc, c'était les bandits qui mettaient tout ce bazar depuis le début. Ben oui, c'est ce que j'essayais de vous dire. Désolé, Mila et Morphle. J'ai tiré des conclusions hâtives. Et merci pour le nettoyage de la ville. Maintenant, je dois nettoyer les rues des méchants. C'est pas grave. Au moins, on a attrapé les bandits gluants. Chaque jour est un jour magique avec un animal magique. Reculez! Qu'est-ce que c'est, officier Freeze? C'est un laser qui échange les corps. Oh. Je dois le mettre en sécurité avant qu'il ne sème le chaos dans ma ville. Oups! Je suis désolé, April. J'ai une moustache. Ils ont échangé leur corps. C'est April. Salut, Morphle. Et voici l'officier Freeze. Bonjour, Morphle. Qu'est-ce que... Quoi? Posez-moi. Je veux toute la glace. Officier Freeze, aidez-moi. Désolé, je suis April. Vite, Mila, échange-nous. La batterie est vide. Je dois la recharger pour que je puisse vous échanger. Que personne ne s'inquiète, je m'en occupe. Posez ce camion de glace immédiatement. Les petites filles ne peuvent pas nous dire ce qu'on doit faire. Pas dans ma ville. Ne soyez pas vilain, vilain bandit. Calme-toi, Freeze. Vite, Morphle, transforme-toi en camion Ben. Allez, rattrapons les glaces, Morphle. En avant, attends, en arrière, un peu à droite, un peu plus à gauche. Oui. Repose la camionnette. Allons chercher la glace. Ouais. Stop. Vite, Morphle.
Transforme-toi en super-héros. Attrapons-le. On arrive, Géraldo. Plus vite, Morphle, on y est presque. Ah, oh, ah, merci, Mila et Morphle. Ouais. Et hop, j'ai volé toute la glace. Pas dans ma ville. Attrapons-les. Attendez, je ne peux pas atteindre les pédales. Je ne sais pas conduire. On va les arrêter. Morphle, transforme-toi en dragon. Morphle, morphle. Grimpez. Arrête-les, Morphle. Hop, il est rechargé. Ouf, je suis à nouveau bon. Voilà qui est mieux. Et vous trois, direction la prison. Eh, hey, merci de m'avoir sauvé, moi et aussi mes glaces. Avec plaisir. Chaque jour est un jour magique avec un animal magique. Blanc. Ah, alors c'est toi qui as volé toutes les couleurs de la ville. Tu ne devrais pas faire ça. Un monde sans couleurs n'est pas amusant du tout. Amusante. Oui. Tu es là, Chroma. Je te cherchais. Il y a beaucoup de problèmes dans la ville parce que tu as enlevé toutes les couleurs. Couleur d'origine. Eh bien, il semble que vous aviez raison. Je vous en prie, allez-y. Wow, vous avez déjà résolu tous les problèmes de la ville. Morphle et Chroma font une super équipe tous les deux. Chance, Yorn, on peut attraper Animi. Une fois qu'Animi aura donné vie à notre animal magique, nous aurons la parfaite créature voleuse de bonbons. Yorn, va
Vas-y. Il est vivant. Allez, va nous voler des bonbons d'Halloween. Animi plus là, allons le chercher. Oh, c'est toi, Morphle? Voler des bonbons? Pas dans ma ville. Eh bien, voilà mes menottes extra larges. Un géant, Morphle! C'est une sorte de Frankenmorphle et il vole les bonbons de tout le monde. Morphle, transforme-toi en loup-garou et sauve Géraldo. Oh, merci, Morphle. J'ai cru qu'il allait me manger comme une glace. Frankenmorphle est en train de partir. Wow, Morphle, c'est vraiment un super costume. Mais où est Mila? Tu aurais dû te demander si tu voulais des bonbons. Notre animal magique est si maléfique. Il est encore plus beau que je ne pouvais l'imaginer. Mais bonbons. Il faut retrouver Animi et annuler le sort jeté à Frankenmorphle avant qu'Halloween ne soit gâché. Oui, joue le jeu, Morphle. Hé, Morphle, est-ce que ça te dirait de goûter à ces délicieux bonbons? Bonbons délicieux. Morphle, transforme-toi en balai et vole autour de Frankenmorphle. Frankenmorphle à la normale. Merci, Animi. Maintenant, vous, les bandits, allez devoir rendre à chacun ses bonbons d'Halloween. Les animaux magiques ne doivent pas seulement obéir à vos ordres, ils doivent vous faire confiance et être vos amis. Ce qui fait de chaque jour un jour magique avec un animal magique.